Son coup franc, ça a été joli parce qu'il a bien tiré. Il avait un bon coup franc, c'est appréciable quoi. C'est là tout, ça tire moins de la folie. Alors nous, on est un grand fan du foot, tu connais, on est à fond, tu vois. Et là, du coup, on allait poser une question sur le match, tu vois, Nigeria-Algérie, pour savoir du coup l'avis des gens, très important, tu vois. Et en plus, on demande l'avis des gens pour la finale qui arrive là, la finale là. Comment ils vont fêter la victoire et qu'est-ce qu'ils pensent du pronostic. C'est parti. Salut. Ça va bien? Ça va. Ça va bien? Très bien, merci. Du coup, vous êtes tous algériennes ici? Oui. Ouais. D'accord, est-ce que vous avez vu le match hier? Oui. Ah, tu as vu le match hier, toi? Non. Ah, t'as pas vu? Algérie contre Nigeria? Non, mais j'ai entendu les bruits, enfin, ce qui s'est passé. Les klaxons, tout ça, et tout, et tout. J'ai entendu, ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu penses que à la finale, qui va gagner? Le Sénégal ou l'Algérie, tu penses? J'aimerais bien que le Sénégal gagne. Pourquoi? Pourquoi du coup? Je sais pas, parce que les Algériens, quand ils gagnent une fois, ils se permettent de tout casser, à croire qu'ils ont gagné, je sais pas ce qu'ils ont gagné, mais ils cassent tout. Enfin, je trouve que quand ils gagnent, ils font n'importe quoi en fait. Après, il y a quand même des gens qui sont tranquilles. Hein. Bah ouais, mais la plupart, ils font. Une minorité qui font qui casse tout. Hein. Non, il n'y a pas une. Non, la majorité. Hein. La majorité pour toi, ouais, carrément. Je trouve, hein, quand même. Ouais. Toi, c'est pour le Sénégal. Hein. Ouais, Sénégal. Tu as vu le match d'hier alors? Bah oui, c'est bien, c'est clair. T'es heureux, ouais, parce qu'on sent que t'as un grand sourire là. Bah, je suis très heureux. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du match de hier là? C'est un peu match difficile quoi. C'est un match difficile. Voilà, c'est. Nigeria, c'est comme on dit, c'est meilleure équipe. L'Algérie, c'est meilleure équipe. Voilà, ils jouent tout bien jusqu'à la dernière minute. Mais voilà, après c'est juste c'est de la chance quoi. Tu vois, c'est. C'est quand même un beaucoup franc quand même hein, à la fin là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Même Nigeria aussi, elle a raté des buts, tout ça. L'Algérie, elle a raté aussi à cause des joueurs, des gens professionnels, des joueurs. Voilà. En plus, en Algérie, on a le meilleur joueur. Il n'est pas joué, il est blessé. Je suis très triste. Même jusqu'à la finale, je suis très triste. T'as pleuré, pas joué. Tu veux? Hein? T'as pleuré? Ouais. par contre, c'est le meilleur joueur. C'est vrai. En fait, ça s'appelle Youssef Attal. Vraiment, on a passé un match de. Un classico quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du match un petit peu là? Dites-moi. C'était tendu. C'était tendu parce que les Nigériens ils jouent bien. Ouais, ils jouent bien. Ouais. Ah oui, ils jouent bien. On était stressés, mais on est contents d'avoir gagné. On les a fait courir un peu. Hein. Ah bah oui, bien. On les a fait courir. Hein. Ah ouais. Et du coup, est-ce que vous avez fêté un peu la victoire là? Bien sûr. Ah oui, comment sûr. Vous êtes partis sur les Champs-Élysées? Non, on était arrivés à République parce qu'il y avait de l'ambiance à République. Ah ouais, d'accord, c'est bien. Il y a beaucoup plus d'ambiance à République, je trouve. Ok, du coup, la finale là. Ouais. T'es de quelle origine, vite fait? Ben moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ok, d'accord. Ouais. Dommage que vous avez perdu, vous. Comment? C'est un peu dommage que vous avez perdu. Il faut dire que nous les Ivoiriens, on a bien joué. Ben, ouais. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Ouais, sinon on s'est battu quoi, tu vois. Mais c'est Dieu qui a dit que c'est l'Algérie qui va gagner. Sinon vraiment on a bien joué. Ouais. Et on a apprécié aussi les joueurs. Ouais. Ils sont battus, ils sont donnés, mais malheureusement ça a été penalty. Et ils ont raté du coup. Donc c'est dommage, ouais. Ouais, c'est dommage. Mais toi alors, le match d'hier, tu l'as vraiment aimé alors? Ouais. Ben, il faut dire que les Algériens ont parfaitement bien joué. Ouais. Ben, ils méritaient aussi. Ben, ils avaient les tic-tac. Ben, ils se donnaient les passes aussi, qui étaient muets, qui étaient super. Ben, en tout cas, ils ont bien joué quoi. D'accord, ok. Ouais. Donc, vraiment, le coup franc de Mahrez, là, tu as aimé ou pas à la fin là? Ouais. Non, son coup franc, ça a été joli parce qu'il a bien tiré. Ben, il avait un bon coup franc, ben, c'est appréciable quoi. Ben, je pense que l'Algérie, ouais, c'est la meilleure équipe en Afrique actuellement. Meilleure équipe, ouais. C'est pas parce que je suis algérien. Ouais. Ben, j'espère qu'on va gagner cette coupe. D'accord, ok. Et est-ce que tu as un peu fêté la victoire sur les Champs-Élysées? Est-ce que tu as dansé? Est-ce que tu as crié un petit peu? Non, je ne suis pas sorti. Ah, carrément, mais c'est dommage alors qu'il y avait une bonne ambiance là, il fallait sortir. Non, je suis sorti la dernière fois le match de la Côte d'Ivoire. Ah oui, pour l'écart là. Ouais, j'étais aux Champs-Élysées, mais. Ok. Ouais. Comme il était un peu tard, le lendemain c'est. Bah, là, tu travailles. Voilà, ouais, je travaille aussi. Ok. Mais du coup, est-ce que tu penses que la finale vous allez gagner là, la finale là? La finale, j'aimerais bien gagner, voilà, mais. Mais c'est juste, comment dire, c'est juste, voilà, c'est entre les deux en fait, tu vois. Voilà, c'est Sénégal, voilà, c'est pas genre... Ils sont forts quand même, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est Sénégal, voilà, c'est... Voilà, après, on a un premier tour, on a gagné avec le Sénégal, mais voilà, c'est la finale, mais c'est chaud. Ok, du coup, si l'Algérie gagne la finale, là, comment tu as fêté la victoire un peu?
C'est l'Algérie gagne et voilà, je vais. Tu vas faire quoi là? Je vais acheter mon billet, on va aller chez Sandy Pamou. Je vais faire la fiesta quoi. Fiesta, hein? Ouais, ok. Voilà, bon. C'est comment on dit, vraiment, je souhaite le courage les deux équipes en fait, soit le Sénégal, soit l'Algérie en fait. Je sais pas, juste l'Algérien, je pense que l'Algérie en fait, non. Ok. Je pense les deux en fait, tu vois. T'es bien, t'as une bonne mentalité, hein, t'es bien toi. Ben voilà, je sais pas, genre le mec qui. Voilà, c'est, j'aime bien, j'aime le football en fait. Oui, vois. C'est bien. Par contre, après, c'est mon bon pays. Jeu. C'est mon pays, voilà. Après, voilà, c'est le Sénégal aussi, voilà, c'est le meilleur club, c'est la meilleure équipe, voilà. Mais est-ce que. J'aimerais bien qu'on donne la farce les deux équipes en fait. C'est bien. Et du coup la finale là, est-ce que vous pensez que vous allez gagner ou Inch'Allah, si Dieu le veut, on va gagner. Quand même, ils sont forts les Sénégalais. Après les Sénégalais, ouais, ils sont vraiment. Sont forts, hein. Ouais. On a un peu galéré avec eux en fait. Ok. Mais. Vous êtes confiant quoi. Ça va. Oui, on est confiant. Inch'Allah, grâce à Dieu, on va gagner. Et là, si vous gagnez, vous allez faire la fête de ouf. Hein. Vous allez faire la fête partout là. Ah, ça va péter. Ça va péter, ok. Bah oui. Nickel. Bon, en tout cas, merci à vous. Hein. Merci à vous. Moi je trouve que le match c'est un beau match. Ouais. Et toutes les équipes ils se sont donnés au fait. Ouais. Ils ont bien joué le match. Mais la chance est sur les Algériens et puis voilà, et c'est le football, hein, c'est le meilleur qui gagne. D'accord. Moi je trouve que le match c'était un match qui méritait. Ouais. Et du coup toi hier tu étais pour quelle équipe hier, Moi je supportais un peu le Nigeria, mais ouais. Parce que l'Algérie ils ont éliminé la Guinée, tu vois. Ouais. Mais après. C'est un peu la haine, c'est ça? Pas la haine, mais tu vois, c'est côté d'origine un peu, ouais. Tu me connais, tu vois. Mais j'ai pas la haine contre eux, hein, je suis tranquille. C'est bien. Et du coup, est-ce que tu penses que la finale, l'Algérie va gagner? Non, je crois pas. Ah, tu penses que ça va être Sénégal? C'est sûr, c'est sûr. Sénégal, ok. C'est sûr. Ouais. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là un peu? Est-ce que tu as senti des émotions? Non, je suis pas algérien, mais j'ai vu le match et c'était incroyable le but que Marais il a mis à la fin. Tiens d'abord, tu encourages quelle équipe? Moi, je m'en fous, je suis neutre. Ah, t'es un peu un footix, hein? Ouais, un peu. Un peu, ouais. Mais je regardais parce que tu vois, tout le monde regarde. Tout le monde regarde, ouais, tout le monde regarde. Du coup, est-ce que t'as un peu fêté la victoire là? Ouais, au quartier avec tout le monde. Ok. Alors dis-moi, quand Marais a marqué le coup franc là, t'étais heureux non? Ou t'étais comment? J'étais un peu choqué. Ah, choqué quoi? C'est choqué parce que je m'y attendais pas qu'il mette le coup franc. Ah, ok, dans ce sens là, ok. Mais sinon, t'es heureux quoi? Ouais, ça va. Ok. Ouais. Est-ce que tu as un peu fêté la victoire toi? T'es parti sur les Champs-Elysées, t'as crié, est-ce ouais, que t'as. J'étais ici hier. Ah, ici là? Ouais, bah, j'étais ici avec les amis algériens aussi. Ouais. Bah, je suivais le match. Ouais. Bah, aussi, j'ai manifesté quoi. Parce que c'est vrai, on a perdu, mais quand tu vois un adversaire aussi qui a pu marquer, ouais. Qui a pu aller de l'avant, bah, il faut l'encourager aussi. Ouais. Parce que c'est gagné-perdu. Mm. Chacun sa chance. C'est vrai. Bah, nous, c'était notre chance en 2015. Mm. La Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Vous voyez, donc dommage, cette année, on n'a pas pu remporter. Mais on espère que 2021, on pourra remporter encore. Même si, si le temps, ouais. Okay. Ouais, ouais. Si nous donnons la chance encore peut-être 2021, ben on pourra raconter. Ok. Ouais, parce que c'est ça chaque deux ans quoi, c'est ce que je veux dire. Et s'il y a un match Algérie contre Côte d'Ivoire, ouais. Toi du coup tu vas encourager Côte d'Ivoire hein? Ouais, ben c'est normal, parce que ça c'est mon pays. Ouais, ben, le jour où les gars jouaient, ben, c'est mon pays, je supportais. Tu vois, c'est comme ça, tout le pays, c'est comme ça, quand ton pays joue, il faut le supporter. Mm. Ouais, il ne faut pas être l'ennemi de ton pays. Mm. Même toi-même, le journaliste, ben, si ton pays joue, tu vas supporter ton pays. C'est le Bénin, on a perdu en quart. Comment? On a avec le Bénin, on a perdu en quart, malheureusement. Ah, tu es Béninois, quoi. Ouais, Béninois, ouais. Ah, ben, on a dommage. Perdu en quart, c'est dommage, on a quand même fait un beau parcours, mais ouais. C'est un peu dommage. Ouais, ben, ça ira, parce qu'ils n'ont pas se préparé encore pour 2021, oui, voilà. Parce que le Bénin n'a pas encore apporté la CAN, j'espère. Ouais, ouais ben, tu vois, donc il doit se préparer encore, il doit s'entraîner, il doit avoir de bons entraîneurs aussi, et puis le jeu aussi, il doit avoir de bonnes qualités. Ouais, c'est un peu ça quoi. Ok. En tout cas, merci beaucoup, chef. Ouais, dis rien. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. En tout cas, mettez un pouce bleu en commentaire. Dites en commentaire les pronostics et comment vous allez fêter la victoire. Ok, mettez en commentaire tout. Merci beaucoup en tout cas.